Bonjour, tes filles ont souhaité aller au lycée à Montardon. Leur choix t'a fait peur? Non, je n'ai pas eu de crainte par rapport à leur choix. Donc le secteur agricole ne me posait pas du tout de problème, ne m'angoissait pas. J'avais davantage de doutes par rapport à la capacité d'accéder au lycée, puisque le nombre de places est limité et la réputation donc est assez élitiste. Voilà, mais elles ont su très vite qu'il fallait noter le lycée en choix 1 dans leur fiche de vœux, de sorte que bon, ben, la suite s'est bien déroulée. On peut aussi intégrer le lycée en première et en terminale. Il y a des camarades de classe de mes filles qui ont mené cette démarche. Alors, le lycée de Montardon est vraiment élitiste. Comment ça se passe? Bon, il est vrai que le lycée obtient des résultats aux examens supérieurs à la moyenne nationale, donc bon, ben, c'est rassurant. Ça fait aussi sa réputation. Au quotidien, j'ai vu le cadrage et le suivi des enseignants, hein, donc il est assez précis. Et puis, j'ai constaté aussi l'efficacité des travaux de sous-groupe qui est très fréquent. Les élèves, finalement, se complètent. Et puis, il y a une sorte d'émulation qui se met en place qui fait que le niveau de tous monte, finalement. L'ambiance est donc studieuse. Bon, pas seulement, hein, ils ont la possibilité de se divertir et de s'épanouir, puisque à disposition, ils ont déjà de l'espace. Hein, c'est un lycée qui a des espaces verts importants tout autour. Ils bénéficient également sur place d'un gymnase, d'activités sportives le mercredi, et puis aussi des options sportives avec l'hippologie, le rugby. Ils bénéficient d'un foyer. Et également d'un club arlequin où ils peuvent faire de la musique, du théâtre, donc davantage de tournées art. L'ambiance, je dirais, est plutôt sereine hein, que studieuse, enfin, l'un n'empêchant pas l'autre. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les élèves sont issus d'une bonne quarantaine de collèges hein, dès la seconde. Il y a donc un brassage important, à la fois géographique et puis social. Ça donne une ouverture aux élèves. Pourquoi les jeunes choisissent d'aller au lycée Montardon? D'abord, je pense que c'est la réputation du lycée qui les attire. Hein. On va à Montardon pour réussir. Ils savent aussi très vite que non seulement on obtient le bac, mais en plus on obtient en terminale via les plateformes Parcoursup maintenant les établissements que l'on souhaite. Voilà, dans l'immense majorité des cas, donc les projets avancent, évoluent. Et la taille du lycée, taille humaine, je le disais, donc aide chacun à trouver sa place, avec un suivi très précis aussi dès la seconde hein, par l'équipe pédagogique. Pourquoi faut-il un projet en lien avec l'agriculture pour aller au lycée Montardon? Non, si je regarde ce que deviennent par exemple un certain nombre de camarades de ma fille aînée, qui elle a obtenu le BTS et donc maintenant est entrée dans la vie active. Alors, certains de ses camarades ont intégré les métiers de la santé, infirmière, médecine, kiné, également vétérinaire. Voilà, d'autres ont choisi la commercialisation des produits du terroir, pas forcément alimentaire, hein, ça peut être aussi des produits, des matériels et puis des produits utilisés par le secteur agricole et les collectivités territoriales aussi, et par exemple pour les espaces verts. On retrouve après des projets, oui, il est vrai, un peu plus spécifiques, côté génétique bovine, apiculture, mais en fait, on peut dire que les métiers sont multiples et ils touchent tous à l'environnement, à l'agronomie, au développement durable, donc ça fait un choix très vaste. Avec des métiers en forte évolution technique aujourd'hui et puis des métiers qui apparaissent hein, également. Voilà, donc je dirais que le lycée Montardon propose un enseignement assez traditionnel, et des langues, des maths, la physique et pas mal de biologie. Donc la biologie, effectivement, la science nat hein, pour les anciens comme moi, donc a une place, on va dire, privilégiée puisqu'elle apparaît à de multiples reprises et sous des formes différentes et dans toutes les filières. Alors, il vaut mieux s'intéresser à la nature? Pas seulement, puisque arrivent en seconde des collégiens qui intègrent le lycée Montardon comme un lycée de référence, hein, donc avec une seconde classique.
La seule spécificité pour la seconde, par exemple, concerne donc l'option EAT2D, environnement, agronomie, territoire et développement durable. Ça prend la forme de travaux en sous-groupe. Les jeunes se déplacent sur le terrain, hein, toujours encadrés, avec des projets qui diffèrent d'une seconde à l'autre, d'une année à l'autre. Et j'ai constaté avec mes deux filles que c'était concret, c'est en lien avec leur monde, ça les intéresse. Voilà. Donc de ce point de vue-là, à Montardon, on apprend à s'intéresser au vivant sous toutes ses formes. Autre chose à retenir pour les familles ? Alors j'apprécie aussi à Montardon la possibilité de s'ouvrir et d'acquérir un minimum de culture générale. Puisque ben, les projets ne sont pas forcément définis en seconde, parfois ils restent à affiner également en terminale, des reconversions sont toujours possibles. Et donc, via l'enseignement à Montardon, on acquiert un socle qui permet à chaque jeune, finalement, de trouver sa voie par la suite, y compris de se reconvertir. Voilà. J'apprécie donc le compromis entre réussir, s'épanouir, s'ouvrir pour la suite également. Et à savoir par les familles. Alors en fait, je disais, le lycée est à une taille humaine, ce qui fait que l'équipe pédagogique reste accessible et elle a l'habitude de travailler avec les parents délégués, représentants de façon régulière et puis opérationnelle. Voilà. Pour ma part, je suis par exemple adhérente à la FCPE, au lycée Montardon, et que l'on peut joindre très facilement, il ne faut pas hésiter à les solliciter, même d'ores et déjà, hein, si vous avez des questions, des hésitations, voilà. Et par la suite, j'ai toujours pu poser les points d'interrogation, les hésitations, faire des propositions également, de sorte que ben, les choses évoluent, voilà, pour la réussite de tous les jeunes, et puis le bien-être aussi de chaque jeune, voilà. Donc l'équipe est assez vigilante, hein, sur le bien-être, au sein de l'établissement. Voilà. Pour terminer, je pourrais souhaiter pleine réussite à vous tous, hein, candidats potentiels au lycée. Et puis à vous les familles, ben, n'hésitez pas à poser des questions, à examiner, voir qu'est-ce qui existe. À bientôt peut-être. Au plaisir de vous croiser. À bientôt. Merci. Au revoir.